peut moi me payer un billet d'avion business. Allez taper sur Air France. Un billet d'avion business. Personne ne l'a envoyé. Il pensait qu'il allait venir me blaguer. Tata Lolo Beauté, je paye ton billet d'avion en business. Tu vas venir pendant le clip. Le gars, si, a vu qu'il a fait une promesse, il ne peut pas tenir. Son papa des États-Unis, le Congolais, est sorti là-bas. Il dit que non, Lolo, on va t'acheter un billet d'avion première classe. Je me suis posé la question, mais il a dit, attends, ceux-là même là-haut, est-ce qu'ils ont une fois pris un vol en business ou bien un vol en première classe? Est-ce qu'ils connaissent le prix? Je me lève un matin et on m'écrit, non, Tata Lolo Beauté, il faut donner ton PayPal. J'ai dit, non, 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 j'étais en train de me plaisanter. Non, chez nous, une promesse est une dette. Je regarde, voilà, 500 malheureux petites pièces qui sont dans mon compte là-bas. Il dit, oh, c'est ça là qui peut payer business. Vous faites des grandes promesses sur les toiles, mais vous ne pouvez pas tenir. Donc, vous voulez que je dise quoi? Vous qui mettez dans votre Facebook que oui, Tata Lolo Beauté a mangé l'argent des chances là. Il a bien bouffé parce qu'il a fait la publicité aussi. Non, comme pion, le hobby. J'ai d'abord ça. Un billet d'avion business class, c'est 3600 ou 4000 euros. Quand on a ri, on ne fait pas de promesses. C'est pas parce que vous m'avez donné 500 petits malheureux de grignotage, j'ai payé 3 ou 4 petits vêtements là que j'ai. Moi, je ne porte pas la Bible plus de 3 fois, 2 pieds, jeté ça à la vendue populaire, que vous allez venir me dire que oui, toi, Tata Lolo Beauté, on a fait ceci, on a fait. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Quoi? Par rapport à des millions de vues que vous avez gagnées, vous allez faire quoi? Vous avez voulu m'endormir? Mais je suis indormable. Est-ce que c'est ce qu'on dit? On dit quoi? On dit quoi? Je parle la vérité. Quitte à ce que ça plaise à des gens, quitte à ce que ça ne les plaise pas, je n'en ai rien à foutre. Si hier j'ai coulé des larmes, je pensais un seul instant. Les larmes que j'ai versées hier, là, ce n'est pas des larmes de faiblesse. Je me suis posé la question en plein direct. Mais de Lolo Beauté, allô, allô. Si tu n'étais pas au brunch de Kimi, qu'est-ce que Axel allait lui montrer pendant ce brunch-là? Qu'est-ce qu'il allait lui montrer? Ça allait être une humiliation. Parce que lui, ça lui plaît. Quand les gens disent que oui, la famille Makosso l'a payé, nous, on peut te payer pour venir. Parmi tous les beaux garçons qu'on a vus sur la toile, là, on ne va pas chercher un beau garçon et c'est toi, on va payer pour venir derrière notre nièce. Quand vous parlez, la mesurez quand même la bêtise qui sort de votre gueule. Quand oui, la famille Makosso a payé Axel pour venir. Qui m'y a plus de vues qu'Axel? Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Qui m'y a plus de vues? Même Métis qui est venue hier, là, elle a plus de vues parce qu'elles sont bien éduquées que lui. Donc, vous me parlez de quelle Starmania? Parlons peu, parlons vrai. Il se met en direct, qui m'y se met en direct, elle a plus de vues que lui. Donc, c'est lui qui monte dans son live pour essayer d'aller prendre des abonnés encore là-bas. Donc, vous me parlez de quoi? Quelqu'un qui a plus de vues que l'autre, qui bénéficie sur l'autre par rapport à qui? On vous parle ici, vous ouvrez votre zinzamban là, pour venir, pour venir parler. Vous ne libérez pas la vie, la bouche de ma nièce. C'est avant là. Quand, il y a deux aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est fort. Il y a deux micros. Parce qu'il faut que le volume soit fort. Hein? Allô? C'est la telenovela qui est en train de continuer. Votre accès n'ira nulle part. C'est le mari de Kimi. Est-ce que tu sais là où tu habites tes pieds? Il n'ira nulle part. Il va aller chercher quelqu'un autre fille pour venir faire boys encore avec elle. Pour venir faire de la novela. Il n'ira nulle part. C'est la telenovela qui est en train de continuer. Oh, à Chao. C'est la telenovela là. Axel Mary, allô, allô, le beau des beaux, le beau, tu vas où? Ta belle-mère est en train de te jeanser. Quand tu vas finir, tu poseras tes longues longues là à côté ici. Sinon, tu prendras la poudre d'escampé sans projet. Ouais! La télé-novelle là, c'est en train de chauffer. C'est en train de chauffer. Où Lolo Beauté, la bandite, est en train de sortir pour faire « Qu'est-ce qui s'est passé? Qui veut épouser Kimi? Toi, tu veux? Tu sais chanter? Tu es acteur? Non! Qui veut épouser Kimi? Axel, 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 c'est pas le moment de prendre la poudre d'escampette. C'est le moment de venir prouver ton amour. Ma chérie Coco, je te veux cadeau. Mais tu as oublié que Tata Lolo Beauté